Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien ce matin. Je vais donc faire aujourd'hui le message des anges, voir ce que l'archange Raphaël nous dit par rapport à son oracle, d'après son oracle, pardon. Je vais prendre une carte des messages d'éveil et deux petits messages des anges. Donc je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur, ou nouvelle sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc on va regarder l'oracle de guérison. L'archange Raphaël, je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à te donner un message clair pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le mercredi, pardon, 20 mars et 2019. Si tu regardes cette vidéo dans 3 mois, 6 mois, elle sera tout à fait valable pour toi. Elle sera bien pour toi au moment où tu la regarderas. Elle te parlera très certainement le jour où tu la regarderas. Si tu tombes sur cette vidéo dans 3 mois, elle te parlera. Ou si tu es fidèle et que tu l'as déjà vue et que tu veux la revoir, elle te parlera aussi au moment où tu la regarderas. Alors, un message d'éveil, un petit message des anges, oups, bon, me concentre, voilà. Ben non, j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. Un autre petit message des anges, parce que j'en ai deux. J'ai deux jeux de cartes. Et on aura peut-être une carte bonus. Je garde ça pour la fin. Ce sera la surprise. Aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Aujourd'hui, on a confiance en nous. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Entre les mains de l'univers, entre les mains de la source. Demandez à la source d'avoir un peu plus confiance en vous. Très jolie carte. Est-ce qu'on en donne une autre? La 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vie antérieure. Alors, les vies antérieures, pour ceux qui y croient, c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. En coupant les chaînes de nos vies antérieures, en coupant, comment dire, les pactes qu'on aurait pu faire dans nos vies antérieures, eh bien, on avance sur cette vie actuelle. Peut-être que dans d'autres vies antérieures, on n'avait pas confiance en soi. Donc, du coup, ben, les choses se répètent dans cette vie. Pour ceux qui croient aux vies antérieures. Mais enfin, si tu es sur ma chaîne, en général, tu crois aux anges, aux archanges, aux vies antérieures. Tu es sur un éveil spirituel, tu es sur une évolution,
de toi-même. Tu veux un mieux-être, tu veux évoluer dans ta vie, dans voilà. Donc la confiance en soi peut-être vient des vies antérieures que tu aurais pu avoir. Donc il faut que tu travailles là-dessus en fait. La timidité, c'est pareil. Il faut avancer sur la confiance en soi. Il faut travailler sur la confiance en soi. La confiance en soi s'acquiert. C'est-à-dire qu'on a eu aussi, quand on est petit, souvent, on a, peut-être pas tous, mais on a eu des parents qui nous ont pas compris, qui nous ont eu, mais qui nous ont dit qu'on était nuls, qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne serait pas à la hauteur, que. Eh bien, du coup, ben, nous, on l'a cru. Et du coup, ça enlève toute confiance en soi pour un enfant. Et du coup, on est obligé de grandir et de se construire comme ça. Donc, du coup, ben, c'est compliqué d'avoir une confiance en nous quand on s'est fait rabaisser toute son enfance, par exemple. Voilà. Ou par des professeurs, ou par des. Voilà. Donc, ben, je te conseille de travailler de faire peut-être une méditation sur les vies antérieures. Et puis d'essayer de couper ces chaînes. Je vous ferai peut-être une méditation sur ça, sur les vies antérieures. Pour couper donc l'archange Michael me demande de vous faire une méditation pour couper vos liens des vies antérieures. D'accord. Je vous ferai ça prochainement. Alors, source de vie. La carte des messages d'éveil. Source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que l'univers est en moi, avec moi et autour de moi. L'univers est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière. J'ai remplacé le mot Dieu par l'univers. Pour moi, vous faites comme vous voulez. Pour les croyants, vous pouvez garder le mot Dieu. Pour les non-croyants, c'est la source, l'univers. Quelque chose au-dessus de nous, de plus fort. Voilà. Chacun l'appelle comme il veut. Il y en a qui l'appellent Dieu. Moi, je l'appelle Dieu, je l'appelle la source, je l'appelle l'univers. Et puis, quand on a confiance en nous, on a confiance en l'univers. Donc on peut s'en remettre à l'univers en fait. Voilà. Voyez cette personne-là? Elle reçoit de la source très certainement des informations. On lui envoie, il y a des mains là. Vous voyez les mains? Qui envoient de l'énergie à cette personne pour avoir de la confiance en soi. C'est de la source de vie en fait. Source de vie, c'est le titre est bien trouvé. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Et oui, il y en a qui veulent tout, il y en a qui veulent les belles voitures, les belles maisons, mais en fait, au fond d'eux, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont heureux vraiment? Donc je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi, autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière. Oui, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui au final ne se prennent pas soin d'eux. C'est vraiment le paraître. Et j'ai la plus belle voiture, j'ai la plus belle maison, j'ai la plus belle piscine. Mais au final, ils sont très 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 certainement malheureux parce que ben ils ont tout ça, mais ils n'ont pas l'essentiel. Hein, ils n'ont pas l'essentiel. Je vous lis les petits messages des anges. Transformation. Et oui, quand on s'améliore, on transforme notre vie, on avance. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est vraiment une belle carte, une jolie carte qui correspond vraiment avec ça. Que là, cette personne-là, elle se transforme grâce à la source.
L'autre petit message, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Quoi que vous ayez demandé, c'est sur le point de se concrétiser. Donc, aie confiance en la vie. Aie confiance en toi. Vraiment, aie confiance en toi maintenant. Et on va prendre une dernière petite carte, une carte de l'intuition. Est-ce qu'on va suivre notre intuition du jour? Qu'est-ce que la carte de l'intuition va nous dire aujourd'hui? Donc, je demande aux anges, aux guides et aux archanges de me donner une carte. Est-ce qu'on me donne la carte? La 4. 1, 2, 3, 4. Signe. Aujourd'hui, tu vas faire attention aux signes que tu reçois de la vie. Un coup de fil auquel tu n'attendais plus. Une pièce de monnaie trouvée par terre, c'est-à-dire genre 1 centime ou 5 centimes ou 2 centimes. Une pièce même toute rouillée. Ou alors une plume qui tombe comme ça de nulle part. Alors, à moins que tu sois dans une volière, mais en général, des fois, on trouve des plumes à des endroits improbables. Moi, j'en ai trouvé dans ma voiture alors qu'il n'y a pas d'oiseau dans ma voiture. Tu peux trouver en pelant des patates. J'ai trouvé une patate en forme de cœur en pensant à ma grand-mère parce que quand elle était petite, elle me faisait des purées, des vraies purées de pommes de terre. Et j'étais en train de peler des pommes de terre et j'ai trouvé dans un seul filet, j'ai trouvé deux pommes de terre en forme de cœur. C'est pas banal quand même. Donc ça, c'est des petits signes. Et puis quand on a un signe comme ça, on le sait. On sait que ce signe, il est pour nous. Que ce signe, on nous envoie des signes au bon moment, au bon endroit, pour nous faire comprendre qu'il y a des personnes, qu'il y a des défunts, des êtres de lumière, son ange gardien qui pense à nous, qui est à côté de nous. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça, le petit message, c'est signe. Et puis, la confiance en soi. Confiance en soi et signe aujourd'hui. Ben écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce message des anges t'a plu, que tu vas liker, que tu vas partager cette vidéo. Tu peux t'abonner aussi. Puis je t'embrasse. Je te dis à bientôt.